Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal sur Gabon News, dont l'actualité ce soir, célébration de la Journée internationale des droits de l'homme ce vendredi 30 mai 2014. Au Gabon, celle-ci a été célébrée à Libreville au centre de santé régional de Mélène. C'était l'occasion de manifester la solidarité aux malades mentaux et aux personnes du troisième âge. Le point de cette journée dans ce journal. Et puis la Fédération gabonaise de football a choisi 3 coachs adjoints en attendant l'arrivée du sélectionneur national afin de préparer les Panthères aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui débuteront en septembre prochain. Dans un instant, vous aurez les noms de ces différents coachs. Et on commence avec la Journée internationale des droits de l'homme. Le Gabon n'a pas dérogé à la règle. Comme le 30 mai de chaque année, cette journée s'est tenue dans la capitale gabonaise. Les assises de la rencontre du jour se sont déroulées au centre de santé régional de Mélène pour célébrer les droits des malades mentaux et des personnes âgées. Kenny Wangouri, Marcia Tsonga et Refi Tsoga étaient sur place. Suivez. 30 mai, la journée consacrée aux droits de l'homme. Au Gabon, ce sont les personnes âgées et les malades mentaux qui étaient à l'honneur. La prise en charge des personnes âgées est encore un problème entier dans les familles et en institutions. Le décret de création du Centre national de gérontologie et gériatrie n'est pas appliqué dans son entièreté. Les textes sur la protection sociale des personnes âgées sont presque inexistants, car confondus dans le chevau des personnes vulnérables, alors que les personnes âgées méritent un statut particulier. La vision que doit traduire l'action du gouvernement est celle d'un pays reconnaissant l'importance de la santé mentale et la nécessité de promouvoir et de prévenir les troubles mentaux, un pays dans lequel les personnes souffrant de ces troubles peuvent exercer pleinement l'ensemble des droits humains fondamentaux et avoir accès en temps utile à des soins et à un soutien social de qualité. Pour réaffirmer l'égalité de chance dont il est le porte-étendard, le ministre des Droits humains s'est exprimé pour rappeler l'importance du moment. Ces quelques moments de proximité avec eux, loin de relever d'une simple contrainte protocolaire, sont l'occasion de leur exprimer notre profonde estime et de leur traduire toute l'attention que l'État et ses partenaires au développement leur portent. C'était l'occasion pour les ministres de la Santé et des Droits humains de venir exprimer leur estime et traduire l'attention que l'État et les gouvernants portent à l'endroit de ces personnes. Et puis le Centre national de gérontologie et de la gériatrie de Mélène a été le lieu où s'est déroulée la cérémonie officielle en présence des autorités ministérielles. Au compte-rendu avec Marcia Tsonga, Kenny Wangouri et Refi Tsonga. Le Centre national de gérontologie et de gériatrie connaît beaucoup de difficultés. La célébration de la Journée nationale des droits de l'homme a été l'occasion pour la directrice du centre de poser les problèmes en présence des ministres de la Santé et des Droits humains. L'affectation de personnel supplémentaire est motivée, médecins, psychologues, infirmiers spécialisés, éducateurs spécialisés. Car sur les 15 soignants affectés, seulement 7 paramédicaux exercent réellement. La construction d'une morgue, l'inhumation dans la dignité des personnes âgées abandonnées par les familles, relève du parcours du combattant auprès des maisons des pompes funèbres qui sont toutes privées. Madame Prado a tout de même appelé les autorités à la prise de conscience et surtout à méditer sur la situation qui prévoit actuellement au centre de gériatrie dont elle a la charge. Le thème retenu, je cite, « Soutien pour l'égalité des chances des malades mentaux et des personnes âgées, présage de l'intérêt et de l'importance désormais accordée à ces catégories de population trop souvent marginalisées. » C'est un appel à la solidarité humaine que vient de lancer Annette Prado Fumangoy. Avis à tous, comme quoi être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semble pas dépendre de soi. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on a contribué à bâtir le monde. Par ailleurs, on se demande si la route est un casse-tête pour les autorités gabonaises. Même quand elle ne mesure pas un kilomètre, elle constitue un véritable problème. La route d'accès à l'hôpital de Mélène est en piteux état. Une situation regrettable qui mérite que cette structure qui regorge des institutions sanitaires de grande importance connaisse enfin des lendemains meilleurs. Suivons nos reporters Kenny Wangouri, Marcia Tsonga et Refu Tsonga. Le principal problème de ce quartier périphérique situé à 11 km du centre-ville de Libreville, c'est cette route qui conduit à l'hôpital régional de Mélène en très piteux état, une situation que vivent mal les populations. Et ici, quand il pleut, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. La route est vraiment dégradée. Les taximans, dès qu'il pleut, il y a des devants, il y a des grandes flaques d'eau où les taxis ne peuvent plus passer.
Donc on est obligé de marcher, comme vous voyez, tout le monde en train de faire. Je disais que regardez derrière moi, est-ce qu'on a besoin d'experts venus des États-Unis pour régler le problème de la route de Mélène? L'hôpital provincial de la capitale du Gabon, regardez l'état. Vous saurez quoi trouver à ma réponse. Le désarroi est aussi grand que pour Valdi, âgé de 15 ans, il n'a jamais vu cette voie bitumée. Il n'y a pas les taxis, et puis sérieusement là c'est... Vous avez quel âge? Bon, moi j'ai 15 ans. Et depuis que vous êtes né, c'est comme ça? Oui, c'est la même chose. Ils veulent rembler, après ils finissent de rembler, ils abandonnent et l'eau revient, et puis il y a la boue, et puis c'est comme vous voyez, comme ça. La route de Mélène serait-elle devenue un casse-tête pour les autorités compétentes? Là est toute la question, surtout lorsqu'on sait que cette route mène à plusieurs institutions sanitaires de la place, parmi les plus importantes à Libreville. Entamé il y a plusieurs mois maintenant, le personnel du Centre de santé nationale de santé mentale a eu droit à la visite du ministre de la Santé, accompagné par son collègue des droits humains pour s'enquérir de la situation qui révolte les agents de cette structure sanitaire Kenyongori, Marcia Tsonga et Refu Itsoga. Après plusieurs mois de grève, les agents du Centre national de santé mentale de Mélène ont reçu Fidèle Mengemengwa, le ministre de la Santé qui s'est rendu sur les lieux. Les conséquences après ces longs mois de grève se font déjà sentir sur la santé des malades. Non, en fait, notre madame, la major, n'est pas de retour depuis. C'est elle qui nous ouvrait, on allait se laver, on revenait. Maintenant, depuis là, elle ne vient pas. Elle nous a promis même le taillon pour tailler les ongles. Elle est revenue. On va lui tailler les ongles et les pieds, là. Au terme de cette visite à couper le souffle, pour le ministre, la situation est déplorable, mais les négociations sont en marche et un plan d'urgence est mis en place. Le constat, c'est vrai, est déprimant, mais ce n'est pas par la grève qu'on va résoudre le problème de l'état des infrastructures et des équipements. Moi, je suis arrivé au ministère, j'ai trouvé un plan stratégique en santé mentale pour la période 2015-2023 qui avait déjà été conçu, qui attend d'être validé avant de dégager les moyens de sa mise en œuvre. J'ai dit, moi je ne peux pas me satisfaire de ça. J'ai besoin d'un plan d'urgence en santé mentale. Sur les 75 points de revendication du personnel, un tiers a déjà été résolu. Il reste que les négociations devraient apporter un second souffle à cette structure qui croupit sous le poids de l'âge. Dans le domaine religieux, on parle des célébrations chrétiennes qui, pour beaucoup, peuvent à un moment donné tomber dans la routine. Une routine dans laquelle se complaisent parfois plusieurs fidèles qui se contentent alors de faire simplement acte de présence lors de certains rassemblements chrétiens. Est-ce le cas pour la fête de l'Ascension? Élément de réponse avec Philippe Oyaga et Refu Itsoga. Tout comme il y a la vérité au-delà des apparences, il y a également le message derrière la célébration de l'Ascension. Un message ou encore une leçon de vie que les chrétiens doivent s'approprier afin de se rappeler que le Christ a certes souffert, mais qu'il est vivant et se tient désormais près d'eux. En tant que jeunes chrétiens, nous pensons que l'Ascension, c'est la montée du Christ au ciel. Il monte pour aller nous préparer les places afin que nous soyons avec lui dans l'éternité. Ça nous pousse à vraiment raffermir notre foi et vraiment attendre avec conviction que oui, exactement, il reviendra pour nous prendre. Même les plus jeunes ont saisi l'importance de cette célébration. La fête de l'Ascension nous rappelle la montée de Jésus au ciel. Elle nous rappelle aussi les souffrances de la subition que Jésus à cause de nos péchés. Pour le père Innocent Dembamwanda, l'Ascension doit être plus qu'une simple célébration dans la vie d'un chrétien, car il s'agit avant tout d'un mode de vie. Ça serait difficile pour les chrétiens catholiques, le vrai chrétien catholique qui suit l'année liturgique, de tomber de la routine, parce que c'est une solennité qui revient certes une fois l'an, mais l'effectivité de la vie de ce qui est demandé, c'est chaque jour. Et ce qui est demandé, c'est garder les commandements, les mettre en pratique et les vivre. Voilà qui devrait pousser les chrétiens catholiques à s'approprier l'esprit de cette fête chrétienne afin de consolider davantage leur foi et attendre, comme l'enseigne la tradition, la venue du Seigneur Jésus.
Du sport pour mettre terme à ce journal, afin de préparer notre équipe nationale aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui débuteront en septembre prochain. La Fédération gabonaise de football a choisi de s'attacher les services de trois coachs gabonais qui devront conduire l'équipe jusqu'à l'arrivée du nouveau sélectionneur national Marvin Berry et Justin Mitegué. Au cours d'un point de presse donné ce 28 mai dans un hôtel de la place, le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengui, a rendu officielle la liste du staff technique qui devra conduire l'équipe nationale pour les échéances à venir. Il s'agit de Claude-Albert Bruno, Claude-Pascal Cossy et de Rigobert Nzamba Nzamba. Le président nous donne les raisons de ce choix. Les raisons sont simples. Nous sommes en négociation très avancée et même aboutie avec un entraîneur, mais un entraîneur qui n'est pas disponible pour le moment. Donc nous avons des échéances futures, nous avons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui vont démarrer au mois de septembre. Nous avons donc réuni les trois meilleurs entraîneurs de ce pays qui ont déjà exercé dans ces équipes nationales, certains comme adjoints, d'autres comme titulaires. Donc ce staff que vous connaissez bien, qui est de qualité d'ailleurs, va donc faire ce travail-là. Et lorsque l'entraîneur arrivera, ils vont continuer à travailler avec ces messieurs pendant un mois. Et au terme de ce mois, ils laisseront l'entraîneur naturellement voler de ses propres ailes. Candidat au poste de sélectionneur, Claude Bruno se dit ne pas être déçu d'avoir été choisi comme second. Nous avons des offres qui nous sont présentées et puis des opportunités aussi qui viennent au devant de nous. C'est à nous de les saisir et puis c'est à nous de travailler et puis de démontrer qui sait peut-être, certainement, il y aura un jour où on sera à la tête de cette équipe. En attendant l'arrivée du nouveau sélectionneur prévu pour la période de trêve, les Panthères du Gabon seront conduites par le staff technique gabonais. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez l'intégralité de l'actualité sur www.gabonnews.com. Bon début de week-end à tous. Au revoir et à très bientôt.